Les fourberies de Scapin, c'est l'histoire d'un valet qui s'appelle Scapin, qui ne veut plus jamais commettre de fourberies de sa vie. Il est retiré quelque part au bout d'un quai, au bout d'un port, dans une espèce d'Italie imaginaire. Et il y a toujours une histoire chez Molière où des jeunes gens s'aiment, mais il y a une force contraire qui les empêche finalement de s'aimer. Et ils vont chercher l'aide de Scapin. Et Scapin, finalement, voilà, pour eux, au nom de l'amour, va revenir à son emploi préféré. J'aurais pas mis en scène les fourberies de Scapin sans l'acteur pour pouvoir jouer Scapin. Et je trouve que travailler avec Denis Lavant aujourd'hui, qui va jouer le rôle de Scapin, c'est une histoire merveilleuse parce que il est absolument ce personnage. Il y a quelque chose de l'ordre du vagabond, du poète, le monde des déclassés. Convaincre Denis Lavant, ça a été à la fois, c'était très évident parce que ça faisait d'abord longtemps qu'on avait envie de travailler ensemble, mais il fallait que la bonne chose arrive. Mais quand je lui ai parlé de Scapin, il y a une telle évidence entre lui et le personnage. Il y a quelque chose qui se rencontre. Forcément. Donc c'était finalement très simple, c'est qu'il est Scapin, enfin tout simplement. Voilà. Sur Scapin, c'est aussi l'histoire d'une troupe, parce que Molière écrivait pour une troupe d'acteurs, donc il écrivait pour des gens qu'il connaissait déjà. Donc il faut toujours, quand on travaille Molière, créer une espèce de famille d'acteurs, de famille imaginaire, de troupe imaginaire. Là, ça va se passer un peu entre les jeunes et les vieux. Il y a à la fois tout un groupe de jeunes gens absolument formidables qui sortent des écoles, qui vont incarner ce désir fou de jeunesse. Et puis, il va y avoir de l'autre côté les acteurs plus âgés, plus confirmés, mais comme Denis Lavant, mais aussi Daniel Martin ou Jean-Paul Meuel, qui vont être les grands acteurs de comédie. Moi, je trouve que c'est une œuvre merveilleuse que j'avais envie de mettre en scène depuis longtemps. C'est l'avant-dernière pièce de Molière. Il y a une espèce d'adieu au théâtre, d'adieu à la Commedia dell'arte, d'adieu au monde du théâtre, d'adieu à la fourberie aussi pour Scapin. Je trouve que c'est une pièce très émouvante, surtout que Molière jouait lui-même le rôle de Scapin. Il était déjà âgé, fatigué, vieilli. Et je trouve que c'est une pièce qui est bien au-delà même de la Commedia dell'arte, de la bastonnade, parce que bon, on connaît la célèbre phrase de Boileau sur le sac de Scapin. Certaines personnes méprisaient un peu cette pièce, alors qu'elle est extrêmement profonde. Je trouve que c'est une espèce d'hommage total au théâtre de Molière.